Bienvenue tout le monde, bienvenue dans ma rampe. Aujourd'hui, vidéo particulière, parce que je viens de recevoir un nouveau vélo. Le mien, il commence à être un peu vieillissant. J'ai un collègue qui m'a proposé de me donner un vélo. Vous voulez le voir ou pas? Il est sous le drap, là. Prêt? Parce que je pense que vous allez prendre une claque. C'est un putain de bon bike. Bienvenue en 1990. Voilà exactement le vélo dont je vous parlais dans une vidéo sur le Bon Coin, il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que c'est un vélo qui, de loin, va paraître bien, mais de près, bah c'est pas pareil. Donc du coup, ce que j'ai fait, bon, j'ai été obligé de changer quelques pièces, je vous le cache pas, parce que sinon j'aurais pas pu le rider, ou alors je l'aurais ridé et je serais tombé direct et décédé. Donc il y a un moment, j'ai changé le guidon, j'ai mis un petit guidon quand même, hein. On est sur la middle school, c'est un tout petit guidon, j'ai mis des petites poignées roses, parce que je trouve que ça allait bien avec le vélo, j'ai changé les pneus et la chaîne, voilà, parce que les pneus, ils étaient complètement rincés, et la chaîne, elle me rassurait pas du tout. Donc, ce qu'on va faire maintenant, bah on va le rider. On va voir ce que ça donne sur une rampe. Hein? Je pense que ça va être marrant. Bon bref, à toutes les gars. J'ai déjà essayé de monter sur la rampe avec. Parce que franchement, je l'ai essayé un petit peu tout à l'heure. C'est l'arrache. Mon vélo, c'est une Formule 1. Ça, c'est une 2 chevaux. Oh putain. Oh la vache! On va essayer de la dropper. Il fait un drôle de bruit quand je roule. C'est peut-être un peu bizarre. Bon. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir essayer? Je vais essayer de faire 190 disasters pour voir. La vache. Franchement, je sais pas s'il va tenir toute la session. On verra bien, mais je vais essayer de me caler sur la pédale. Je crois que j'ai déjà plié le pédalier. C'est un peu gros aussi. Hein. Ah ouais. Et comment tu repars de ça maintenant? C'est la question. Hein? En fait, le plateau est tellement grand que c'est le plateau qui se cale. Bon, déjà, il a pas plié. C'est bien. Excellent. On va corser un peu les choses. Je vais essayer telle tape. Habituellement, sur mon vélo, j'ai un frein. Et sur celui-là, j'ai pas de frein. Ben, ça va être compliqué de faire un tel tape, je pense. Je vais y arriver, mais au bout de quelques essais. Allez. Oh là. Wow. Yes. Oh la vache. Le tel tap, c'est fait. Il est vraiment super dur à équilibrer. Il est vachement long de l'arrière. Foot jam. Je vais essayer foot jam. Et après foot jam, ben, j'essaierai de faire bus en remontant sur les plateformes. Ouah, aïe. Ah. Il y a un espace là, je peux mettre mon pied entier dedans. Hein? Allez. Aïe! Ça fait mal aux pieds. Putain! C'est là que tu te rends compte que il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais le matos, ça fait pas le rider, machin. » Si, un peu quand même. J'ai du mal à mettre un foot jam, alors que d'habitude ça rentre facile. Bon, bref. J'y retourne. Yeah! Oh! Eh, franchement, vu la gueule du vélo, il était vachement clean. Du coup, j'ai dit que j'allais essayer bus en remontant sur la plateforme. J'ai un doute, mais je vais essayer.
Hey, ça marche pas si mal que ça. Je m'attendais à bien pire. Après le bus, il y a quoi? Hein? Après le bus, il y a quoi naturellement? Le tail whip. Tu vois? Quand je viens de dire tail whip, dans ma tête, ça a fait... J'espère simplement que je vais pas niquer la roue arrière parce que elle est un peu fragile. Bon bref, allez. Oh, oh. Aïe. Ah j'ai mal. Ah j'ai mal mais j'aime bien. Si je le mets, tu peux mettre j'aime. Parce que là c'est chaud. Allez. Oh ! Comme quoi les potences de nouvelle génération sont quand même un peu plus solides. Comment je vais réussir à remettre ça moi ? Oh ! Bon, du coup, je vais aller chercher une clé Allen. Parce que mon guidon, il bouge tout seul. Voilà, mon guidon est resserré. Et c'est reparti pour un whip. Et c'est reparti pour un whip. J'ai honte. Il est rentré. Il est rentré, les gars. Pouce bleu. Je te vois, là, derrière ton écran. T'attends qu'une chose. Que j'essaie des trucs en air. Bah, je vais essayer boss en air, déjà, hein, voir ce que ça donne. Je suis pas à l'aise, breakless, les mecs. Ça me fait peur. Genre, je sais que je vais arriver trop vite, là. Oh! Je vous raconte pas, les gars. J'ai l'impression de soulever deux fois mon vélo. Je pense qu'il doit faire dans les 16 kilos. Il est ultra lourd. C'est ultra physique. Rien que de faire un petit truc au coping, c'est 10 fois plus compliqué qu'avec le mien. Whip en air? Tu veux un whip en air? Moi, je n'ai pas trop envie. Mais bon, je vais essayer. Et mon guidon est encore allé en arrière. C'est reparti. Je suis tombé. Mais il était replaqué. Donc on s'en fout. On va dire que c'est bon parce que de toute façon avec un vélo comme ça, je l'aurais pas mieux. Du coup là c'est le moment de la vidéo où tu veux que je fasse un flair. T'es en train de te dire derrière ton écran, il a fait buzz, il a fait whip. Pourquoi il essaierait pas flair? Tu fais chier. Parce que moi aussi, dans ma tête, je me dis peut-être flair, ça passe. Oh putain, ça va être rock'n'roll, les gars. Bon. Eh ben ouais, hein. Arrivé dans la courbe en face, j'ai fait... Non, Grégory, fais pas ça. Donc j'enlève le micro de ma poche. Je vous retrouve dans 2 minutes. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi proche du premier coup. Je vais réessayer du coup. Je crois que la roue arrière a pas aimé mon flair. C'est ce qu'on appelle un beau 8 dans le métier. Hein? On la voit bien qu'elle est en 8? Là c'est là, là c'est là. Bref, sur ce trix, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller regarder mes autres vidéos de vélo où je fais vraiment du vélo. Et à la prochaine, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon matin, enfin je sais pas, enfin ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. A plus!